Une pluie battante, une terre lourde et compacte, des voitures chassant à chaque coup de volant, les spectateurs du 42e rallye Dunes et Marais ont eu droit à du beau spectacle. Ça complique un peu, oui, sûrement pour les pilotes, mais c'est que du plus. J'adore ça. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans ça ? La vitesse, le fait que ce soit vraiment du tout-terrain, c'est vraiment du beau spectacle. 142 engagés, dont une quarantaine de femmes, plusieurs épreuves à parcourir au cœur de la campagne sur les communes de Médy, Saujon et Saint-Sulpice-de-Royan. Au total, 80 km de course chronométrée sur des terrains totalement instables. La difficulté, elle est réelle, quoi, parce que en plus, les terrains qui ont été tassés, je dirais, par les reconnaissances depuis mercredi après-midi, le terrain était assez dur et avec la pluie qui est tombée, ça les rend verglacés, hein, l'équivalent du verglas. Ce copilote, prêt à repartir pour une nouvelle épreuve, n'a qu'un seul objectif. Finir, c'est le principal, on est chez nous, on s'amuse, prendre du plaisir à fond et essayer d'être le plus près du premier, mais ça roule très fort devant. Une course à peine terminée, il faut immédiatement préparer la suivante. On est en train d'enlever la boue parce que c'est légèrement gras. C'est mauvais pour la voiture, ça ou pas ? Oui, parce que ça risque de casser les bavettes, ça fait du poids. Des buggies, des 4x4 ou des SUV qui se sont fait entendre tout au long du week-end à des dizaines de kilomètres à la ronde. Le rallye des Dunes et Marais est une des dernières compétitions de la saison comptant pour le championnat de France de rallye tout-terrain.